Mercredi 15 juin 2022. Chers amis, chers frères et sœurs, encore nous dit l'Éternel merci parce que lui permet nous rencontrer notre travail là et tout côté capable aussi tu nous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ et nous dit l'Éternel un gros merci à cause de présence lui qui va jamais pas là. Oui. Présence lui va jamais pas là. Li encercle non par devant et par derrière. Donc nous dit merci pour ça. On a prié l'Éternel. Tendre Père Céleste, merci pour grâce, merci pour amour. Merci pour travail là. On l'autre fois permettre nous rencontrer encore dans la guerre Boubère ici avec toute famille, madame ni petite li, maman ni papa li et tout dévouement yo la guerre dans mon la guerre semi on a Joseph, pasteur et Jack et Joseph, papa Li, dans la guerre, dans mon Dieu Tout-Puissant, et frère Serge Assan, dans la guerre, c'est Oudlin Joseph, dans main, on a un moment ça, l'Éternel, papa, et dans la guerre, frère Serge Thibault, dans ma dorité avec eux, dans la guerre, l'Éternel, papa, et toutes les branches vers Dieu. On se bête vers Dieu, par Mélis, le groupe Sabéose, pasteur Lixon vers Dieu, Steven vers Dieu. Et c'est Judith, c'est Edline, c'est Claudine, c'est Luna. Nous la gué tout nan mou avec toute famille, l'Éternel, papa, frère. Nous la gué nan mou Edenly et Valence. Jean-François, nous la gué nan mou, cher Seigneur. Et nous la gué nan mou, l'Éternel, nan mou moun sa. Et frère, c'est Mackenzie Lucien, frère, c'est Mackenzie Jean, c'est Marjorie. Et dans mon c'est Wisland dans ses Jodel et nous la gué frère lui des frères le souhait tous ses frères les j'aime frère Sonny Gabriel et frère Jules Miss frère Nixon et tout dans mon l'Éternel papa et nous la gué dans mon c'est Clélie c'est Erita et c'est Julia et c'est Miguelina et c'est Daphné c'est Kitli nous la gué tout dans mon c'est Jeannette cher Seigneur. Et nous la gueule Marie Loude dans mon connaît situation frère c'est Farius dans mon l'Éternel papa c'est Gerline c'est Edline c'est Fridline c'est Dani c'est Emmanuela cher Seigneur et coordonnateur Rebecca et nous la gueule frère Dieu seul frère David frère Bénis frère Samuel frère Eline c'est Ena c'est Enit nous la gueule pasteur Tico Namon, pasteur Genel, Dieu Tout-Puissant, toutes ces personnes sont en Twitter, mais frère c'est Emmanuel, frère c'est Maï, frère c'est Kiki, et frère c'est Achille, frère c'est Mitel, frère c'est Sterling, frère c'est Jean-Oudi, nous la gueule tout Namon, dans le moment ça, l'Éternel, et nous m'adorons continuer de verser grâce au frère c'est Kervin, frère c'est pasteur Joseph Michelet Saint-Fort, frère c'est et pasteur Dadiani Lis et nous la gué pasteur Kelly Bena également avec toute famille et nous m'adorons avec l'Éternel papa frère c'est Shalom Anderson frère c'est Désir Pécano frère c'est Médé frère c'est Senob tout nan mon l'Éternel papa que nous bénis dans la vie frère et sœurs dans dernière étude nous t'ai gain chance nous t'ai fait nous t'ai écouté que l'Éternel lui-même t'a parlé et côté que il y a des dispositions la prend contre les prophètes qui a prophétisé mensonge dans non et l'Éternel te dit un bagage il dit mensonge il a prophétisé à son façon pour ouais si on t'a fait peuple a oublié l'Éternel alors effectivement on a dit ça il te fait ça vrai oui il est arrivé peuple là il est vrai peuple là tu toujours gain ça dans l'esprit ça t'est arrivé. L'Éternel te dit dans verset 28 là, alors Jérémie chapitre 23 verset 28, et que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe et que celui qui a entendu ma parole raconte fidèlement ma parole. Pourquoi mêlez-vous paille et la paille au fourment? Ça veut dire que l'Éternel te montre là, on va mélanger graines avec peau, prophète, faux prophète qui raconte ça, vous racontera. Et moun kap servi l'Éternel là pour le raconter ça l'Éternel dit mission l'Éternel voye bay parce que nous connaît ça l'Éternel voye dia la contraire avec ça yo vle tande a parce que yo même ça yo vle tande c'est bon bagay yo bezwen tande même si que y a pe agi mal et nous connaît l'Éternel
l'on pas agi bien la paye pour et vous et bien pour mais soit pas agi mal pas gâché figure hein la paye montrer c'est mal l'Éternel te montre tout li paraît pour faux prophète yo capé et prend parole li a dit et déformé parole li a formé parole l'Éternel la prophète parole la dit que sa parole là pas ta doué dit donc l'Éternel et parler de cela. Notez dans le chapitre, dans verset 31, l'Éternel dit j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Ça veut dire, c'est affaire payo. Yo dit mais ça l'Éternel te dit, mais ça l'Éternel vous dit, alors qu'en réalité, et pas ça l'Éternel vous dit. Donc c'est très important là. Nous allons lire le verset, et frères et sœurs, nous allons lire le verset 32. En gros verset lié, voici dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des mensonges faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Frères et sœurs, parole l'Éternel dit là, nous voulons nous comprendre que effectivement, ça l'Éternel dit là, c'est ça. Mais nous voulons comprendre que peuple là, c'est ça qui pas bon que peuple là te prend. Parole l'Éternel là, il pas prendre non, c'est ça qui pas bon au te prendre. L'Éternel dit là et libéral c'est sous pour faux prophètes qui cap prophétiser de faux songes. Qu'ap raconter de faux songes pour égarer peuple là chaque jour pour faire l'entrée pifon hein dans mauvais bagaille et dans témérité alors expression témérité a veut dire que c'est qui agir sans prudence alors c'est agir sans prudence seulement qui agit sans prudence alors faux prophète yo même yo pas tenir compte qui malek te arrivé yo y a répété non bon Dieu sans prudence et au pas tenir compte ce qui s'est arrivé donc c'est là où dit par leur témérité d'ailleurs expliquer expression témérité a avec une série de monde qui a posé des actions yo pas même tenir compte des résultats le bral bail mais c'est comme ça prophète yo t'a pas dit comme si prophète yo comprendre que eux même yo inattaquable hein comme si eux même yo pas gon façon même j'en a remarqué qu'on y a là une série de taux capable qu'on y a à travers la planète Terre à travers la société haïtienne eux même yo maintenant tête yo il y a toujours une façon pour sauver et moi même tant qu'on m'habitue dit ça jugement l'Éternel la kotoyal pral prend kotoyal jugement l'Éternel la pral vinn sou et jugement l'Éternel la pas fini sans pas bay résultat que li doit bay là alors l'Éternel dit li pas voyer moun sa yo li pas passer yo l'ordre donc tout ça y a dit pas une crasse valeur pour peuple là hein si peuple là alors c'est comme sous ta dit si peuple là prendre c'est pour malheur yo. Si ça yo dit au peuple à prendre c'est pour malheur mais l'Éternel dit ça a dit peuple là pas une crasse bagaille pas rien crasse valeur parce que ça l'Éternel planifié qui pour arriver en vérité c'est lui-même qui périfé frères et sœurs c'est ça l'Éternel dit là alors Paul a dit si ce peuple ou un prophète ou un sacrificateur te demande quelle est la menace de l'Éternel tu leur diras quelle est cette menace je vous rejetterai, dit l'Éternel. Donc l'Éternel dit Moïse, dit Jérémie, si tu as gagné un peuple là, un prophète ou un sacrificateur qui t'a demandé pour menacer l'Éternel, dis exactement qui ça l'Éternel menace. Et dit l'Éternel rejeté. C'est parole qui se dit dans la bouche l'Éternel, l'Éternel rejeté. L'Éternel rejeté parce que. Yo a prophétisé le mensonge sur le nom de l'Éternel et non connaissait vrai même là autant de toute bagaille là gende là y a gon chaudière oui qui a bouilli en dedans yo chaudière qui a bouilli en dedans yo y a rencontré avec prophète là y a rencontré avec serviteur l'Éternel là y a posé le question mais qui ça l'Éternel dit même là yo pas d'accord mais c'est pendant chaudière a bouilli en dedans yo même pour yo poser question ça. Ah ben l'Éternel dit laisse ça dit yo même dit yo qui ça moi-même disposé pour yo hein dit yo qui menace qui tomber sur yo
et faire connaître que l'Éternel rejeté yo, l'Éternel rejeté yo, l'Éternel pas dans sec yo encore parce que il agit mal envers l'Éternel et il a fait blasphémer le nom de l'Éternel. Le prophète, le sacrificateur, ou c'est lui qui dira menace de l'Éternel, je le châtirai lui et sa maison. Donc ça veut dire ça l'Éternel besoin c'est repentance. Mon n'a répété en haut dit le menace ou de quelle est la menace de l'Éternel, il dit menace de l'Éternel, mais ça important c'est que yo même tout il a châtié parce que yo même yo travaille pour la menace de l'Éternel, yo travaille pour l'Éternel frapper yo. Yo travaille pour ça frères et sœurs. Il a cherché information alors que yo même yo comprendre yo carré tirer tête. Yo c'est même Jean frères et sœurs le rencontrer avec journaliste. Journaliste la pose aux questions sur situation pays a comment moun yo pa diriger comment on série de bagarre fait et yo même tout yo concerné yo avocat pa parler avoir pour moun tout comment moun a violé la loi etc. Mais yo même tout y a violé la loi y a font série de bagarre etc. Yo pasteur campé pour le dire mais qui ça peuple a fait mais qui ça peuple a fait qui fait malédiction l'Éternel étend sur yo comme ça mais yo même tout yo gen bagarre y a fait. Vous comprenez? Et ça important c'est que c'est moi-même avoir pour nous chaque pour nous mettre un bout dans méchanceté, un bout dans crime, un bout dans mauvais bagage et pour nous pas garder sur la voie du peuple. Parce que frère c'est m'a expliquer non ça. L'autant des phrases latines ça qui dit vox dei vox populi, qui dit la voix du peuple c'est la voix de Dieu. C'est si le peuple est dans une bonne direction. Si le peuple a une mauvaise direction, pas grave, faire la voix du peuple, la voix de Dieu, non? En pile, bagaille est arrivé pour Haïti. Tant de fois, le peuple a relé, en faveur, il a remis un bagaille dans le pays. Moi-même, frères et sœurs, en tant que pasteur et analyste, je suis toujours fait analyse sur la situation au pays. Bon paquet de monde dans le pays, il a remis un pays à changer, oui. Le problème, c'est que vous voulez le changer, vous même. Sans yo pas faire effort mais pour le changer faut nous faire effort sinon on était toujours dans la peur donc travail là c'est là me fait comme moi donc si me quitter faire ma bouille là me pas faire comme moi et me peur pour pas révoquer me peur pour tel bagaille pas arriver me peur pour pas descendre grade moi me peur pour me pas perdre promotion. Tout bagaille ça les fini ça fait que on entre dans compromis on connaît que on a travail là gon directeur dans travail là qui vient faire une proposition ou pas qu'a dit directeur non raison faut pas qu'a dit non parce que ou pas veut perdre job là ou pas veut perdre job là directeur ça qui mon lié ils sont homosexuels directeur ça qui mon lié ils sont coureurs de jupe directeur ça qui mon lié ils sont monde qui cupide qui besoin faire l'argent dans toutes sortes de façons. De venir pousser lui même qu'on y a là sous dit non avec proposition soit pour le mando pour faire 6 tournées 9 pour lui soit pour le mando pour aller négocier sexuellement malgré ses garçons hier soit pour le mando pour négocier sexuellement en tant que femme en ben ou même ou d'accord pour pas perdre du job là parce qu'on est sous perdre du job là dans société à la bagaille là pas bon pour même bagaille là malou et de rentrer dans compromis ça et bien on mettre connait hein alors rentrer dans compromission ça on mettre connait et bagaille là va marcher bien pour l'entrer dans tente ça l'entrer dans domaine ça bagaille là va marcher bien pour reprendre passer devant l'homme là ou ap la ou ap tu communiquer n'a pe dialoguer prendre tout arrangement ap fait là n'a jouer ensemble ou en dit on ka prend promotion yo ka gon rencontre k'ap fait là yo vous al représenter etc. Parce que moi m'a dit un bagaille m'v voulez nous comprendre ça paquet moun nou de temps en temps y a voyer dans pays étranger voyer non réunion etc. et pas moun sérieux y voyer non c'est moun qui accepter on sait des négociations. Parce que moun ki honnête là m'a dit non ça avec certitude dans société haïtienne là moi même pasteur Pamelis nous dou ça là moun ki honnête là dans société haïtienne là ou pas tande là di pa gen gros côté la privé parce que pays a corrompu net di pa gen gros côté la privé vous comprenez
li ka pon job la, c'est li ka fè job la, yo kembe nan job la, mais yo maltraité, yo malmené nan job la parce que li pa vle entrer dans série de négociation. Y a prend connaissance li a, le vini y a meton moun, y a meton moun nan tête li. M'pa konn sa m'ap di a la sou content de rive. Gen de moun yo meté nan tête on moun, yo meté moun nan directeur, le vini yo meton l'autre en bali et comme si sous-directeur. Sous-directeur c'est lui même qui a fait tout travail yo. Pour qui ça d'abord ou même, il y a une série de bagages qui ne sont pas entrés là-dedans, mais vous pouvez mettre le directeur, vous mettez le sous-directeur, et vous avez saisi pour autant de ça, vous mettez le directeur, parce qu'on a rien à travailler là, il a touché 50 000 dollars haïtiens par mois, le fini l'autre là, lui-même, il a bali 8 000, 10 000 dollars haïtiens par mois. Donc, ça m'a dit non là, c'est des bagailles pour comprendre. Mon nan li même c'est lui qui a fait toute bagaille. L'autre là qui autant de qui directeur si on pose lui une question, l'a douze tel monde pour joindre. Lui même même lui vient aller ici, l'a veiller, l'a régler affaire politique lui, l'a régler affaire corruption ni, l'a régler affaire toute bagaille pour l'organiser en faveur patron, en faveur gros chef qui dans tête lui a. Le vini c'est ça, c'est lui job bal là. Mais par contre rien. Di pa konn an yen nan job la. Amen. Elle est comme ça ou même même qui nan job la parce que pas d'accord négocier oui ou pas d'accord font série de bagailles et de pour dans société corrompue c'est comme ça oui. Donc de pour pas d'accord font série de bagailles c'est ou même capé payer ça. L'a regarder la frères et sœurs non voulons comprendre ça et l'a parlé des sacrificateurs prophètes etc. tout ça qui gagne pouvoir les anciens et nan peuple juif là. Autant de gon série de bagaille yo pa ka bene yo de bénéficier là en mais c'est dans condition ça y a bénéficier là y a bénéficier parce que yo d'accord condition yo d'accord condition yo vous comprenez moi même toujours dit au monde ça gen des démarches m'pa mené yo gen des démarches m'pa mené yo non des tel type de job m'pa mené des marches yo m'rete nan rôle moi ça l'Éternel bon moi hein m'rete avec talep m pral rive non Carrefour le vini pou m pral négocier ça m pa dwe négocier m pral entrer nan compromis ke m pa dwe entrer mais l'Éternel ki t'en promet moi la bon di manger moi hein quel bon di manger moi m pran di manger m la hein m rete m fè travail li parce que les choses de la terre et pas ou même qui plus important hein? Et n'a pas gardé pour nous les monde qui a cherché yo rentrer yo rentrer 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 au fond yo yo mais souvent tout yo passé concours d'éclair ou si yo là yo pas une crasse dignité yo pas une crasse caractère moral dans société a. Moi même pendant m'a dit ça me pense qu'on est une série de nèg là y a parlé de politiciens une série de nèg tout temps autant de voix y a parlé mais yo connaît c'est pas monde sérieux yo. Et si réellement ta gon pays sérieux qu'a fait en Haïti yo pas nèg ça pas rien hein ta gon yo passé tout nèg ça gen des dossiers yo gen des dossiers louches mais comme étant donné que c'est dans société corrompue yo même présence yo censé importante pour société corrompue mais depuis ta gon bon pays a fait que tout monde ça c'est gado bras ouais yo la guerre en côté yo pas gain place yo là les vins y a des jugements qui braillent contre eux-mêmes. Leur comprendre que on les long quand on les long l'autre quand on les long quand on les long l'autre quand qui ça l'a cherché zo l'a cherché pour le souci hein frères et sœurs ah faut nous comprendre ça alors frères et sœurs l'Éternel dit là et même l'autre ouais et prophète là sacrificateur Ousmane mon peuple t'a dit menace de l'Éternel ça va pas empêcher que l'Éternel frappe lui-même avec toute Kaili. Parce que c'est et comme je dois dire il pas gain parole encore pour le dire dans situation rivière là il pas gain parole encore pour le dire il obligé dit ça l'étendé dans bouche prophète là comprendre il obligé dit ça l'étendé dans bouche prophète là c'est comme ça est alors l'Éternel dit vous direz chacun à son prochain chacun à son frère qu'a entendu l'Éternel, qu'a dit l'Éternel. Obran, l'Éternel dit là avec Jérémie, hein, et lui dit là, ou a dit yo, chaque mon approche, chaque mon frère li, qui ça l'Éternel tendait, eh bien, qui ça l'Éternel dit. Alors, frères et sœurs, l'Éternel dit là, hein,
chaque monde, Jean moun n'a comporté, Jean moun n'a agi, c'est déjà une menace. Verset 36 l'a dit, mais vous ne direz plus menace de l'Éternel, car la parole de l'Éternel sera pour lui une menace. Vous tordez les paroles du Dieu vivant, de l'Éternel des armées, votre Dieu. Alors, frères et sœurs, excusez, on déprend une petite pause là. Et c'est verset 20, verset 36 de préférence qui dit, mais vous ne direz plus menace de l'Éternel, car la parole de l'Éternel sera pour lui une menace. Vous tordez les paroles du Dieu vivant, de l'Éternel des armées, votre Dieu. Alors, et n'a parlé l'Éternel, tapé parlé avec Jérémie. L'a dit Jérémie qui s'aboule dit yo pour pas dire comme menace de l'Éternel, parce que la parole de l'Éternel a déjà une menace pour yo, déjà une menace la pied pour yo. Pour qui ça? Parce que yo tordé parole bon Dieu vivant. Ça veut dire les auteurs de parole bon Dieu vivant, c'est les offres Paul l'a dit en l'autre parole, ou est-ce qu'elle dit à bien oui, mais on va chercher pour faire le baou dans l'autre parole. Donc on est dans l'époque n'a vu la plein monde comme ça. Yo fin li bagala yo el bien de fini y'a chercher pour tordel pour faire le baou dans l'autre sens. Des fois yo retire dans contexte li, soit dans contexte chronologique doucement, dans contexte sémantique li, yo retire. Ça veut dire l'aime dit contexte chronologique là dans ça qui gen rapport à date là, contexte sémantique là ça veut dire ça qui gen rapport à sens li. Yo retire la dani, yo fait une fausse interprétation de li. Vous comprenez, frères et sœurs? Ah ben bon, là, l'Éternel montre nous la nan parole li pour nous. Et moun yo a cause yo tordé la parole de Dieu. Eh bien, parole là déjà yon menace pour yo. Ouais? Car la parole de chacun sera pour lui une menace. Parce que vous tordez les paroles de Dieu. Vous prenez parole là, vous faites parole là, dit parole là, sale patra doué dit. Et nous connaissons frères et sœurs, nous n'avons pas hésité pour nous dire, dans l'époque, nous avons vu la grande pile, en pile, monde comme ça. En pile, monde comme ça, qui fait parole, bon Dieu, qui t'a voulu faire parole, l'a dit, ça l'a pas dit. Il a changé le deux sens, et même il a fondé des religions, c'est comme ça, avec une parole, il a déformé, il a mis une base religieuse sous pied. Alors, frères et sœurs, nous arrivons à un moment pour nous finir, oui. C'est 41, 20, 74, 33, 36, 76, 58, 73. C'est deux numéros de téléphone. Yo. Sous bon bagage pour discuter, au capable de faire le souli. Que bon Dieu bénisse chacun de nous.